Allez, go! Coucou les filles, les garçons! Donc me voilà pour une nouvelle vidéo. Je recommence avec mes claquages de main. Donc je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Donc je vous remercie tous pour votre soutien ainsi que Instagram. Comment on appelle ça? WhatsApp. Message privé. J'ai reçu un message privé par email. Je l'ai lu qu'aujourd'hui, je ne savais pas, mais il faut que je vérifie si j'en ai pas d'autres. Donc ma belle, merci beaucoup pour ton soutien, pour le message. La Belgique, La Réunion, Lady Cosette, merci, Brigitte, tous ceux qui ont mis des messages en dessous de la vidéo. Donc, je vais mieux les filles. La seule chose qui n'a pas changé, c'est que j'ai pas retrouvé la foi, donc voilà. Donc, c'est toujours pareil. Et qu'est-ce que j'allais dire encore? Et puis, bon, j'ai repris le boulot, donc ça s'est bien passé. Concernant la collègue, ma décision, je fais comme je faisais avant. Je next, tu m'aimes pas, je next. Et c'est même pas une question de ne pas aimer, c'est une question de jalousie à la con. Ben voilà, donc je next. Pareil pour la personne, enfin les personnes, parce qu'elles sont plusieurs, qui m'espionnent sur YouTube et qui vont répéter, que ce soit Anano ou d'autres personnes. Donc je fais comme si ces personnes-là n'existent pas. Donc comme ça, dans ma tête, je te fréquente pas, tu me fréquentes pas, tu m'aimes pas. Je ne peux pas dire que je t'aime pas, puisque tu m'as. J'ai pas de raison de ne pas t'aimer à part voilà. Mais bon, je comprends. J'ai quelque chose que qu'on peut partager, que vous voulez pas partager. C'est votre problème. Donc, je continue ma live. Et voilà. Et je vous remercie tous. Merci. Donc, là, c'est bientôt Noël, les enfants. Pour ceux qui savent ou qui savent pas, j'ai eu 50 ans. Donc, je vais pas m'en faire emmerder par des. Voilà. Des morveuses, que ce soit adultes ou enfants. Donc voilà les enfants. Donc, j'ai décidé de vous faire une vidéo produit terminé. D'accord? Donc, vous savez, c'est Noël bientôt. Qu'est-ce qui va arriver à Noël? Cadeau. Du haut de mes 50 ans, je vais vous montrer les vidéos, les produits que j'ai achetés, mais pas aujourd'hui. J'ai déjà filmé une partie, mais il faut que je vous montre. Allez, go! Je commence. Donc, on va commencer par les produits de la salle de bain, mon Dieu. Donc, ma douche était bouchée parce que les filles ont des cheveux assez longs et il faut faire attention. Regardez. Donc, j'avais acheté ça. Je crois que c'était chez Noz. Donc, j'avais acheté ça. J'ai tout versé. C'était un sac de gel. J'ai tout versé et c'était super. Ça a bien marché. Donc, voilà. Ensuite, j'ai acheté ceci, le chat. En général, je ne prends pas du liquide. Je prends des pastilles, enfin les boules là. Donc j'ai pris le chat, ça sent bon, j'ai testé, c'est ce que je prends d'habitude. Donc voilà, quand c'est en promo, je prends toujours les trucs comme ça. Et il n'y a pas longtemps, j'ai acheté ceci parce que j'ai pas trouvé en promo les pastilles. Donc genre, j'ai pris ça chez c'est qui chez Stokomani, les filles. Donc ça sent bon et je l'ai accompagné de ça. Donc, ce n'est pas terminé. Donc, je vous le montre quand même. Terminé de ça. Parce que Lorraine veut de la suppliante dans ses vêtements. Ça sent la balle. Donc, ils le vendent chez Carrefour à plus cher, à 7 euros et quelques. Et là, je l'ai payé 5 euros à peine. Donc, voilà. Donc, mais franchement, ça sent bon. Hein. Et c'est super épais. Et je ne mets pas beaucoup dedans. Il y a le rose aussi. Mais je le prendrai une autre fois. Et dans mes produits terminés, la débile que je suis, j'ai retrouvé ceci. Le truc, il est neuf. Ok, d'accord. Donc, c'est un fin de poudre que j'avais mis dedans. J'ai oublié que c'était là-dedans que j'avais mis. Parce que j'avais acheté une fois de la poudre comme ça, là, qu'on vend en bac. Il me restait un peu. J'ai versé là-dedans. Je ne me rappelais même plus. Donc, je vais l'utiliser aussi après. Ensuite, on continue toujours dans la salle de bain. Donc, fa. Donc, plutôt pour Nanou. Donc, voilà. Donc c'est le deuxième que j'utilise. J'ai cherché une autre que j'avais acheté. Ça sent bon. Hein. Ben nous aussi, on l'utilise. Ensuite, des invités sont venus chez moi. Ils ont laissé ça. Donc je leur ai dit de partir avec, mais ils m'ont dit non, non, non. Et voilà, ils restaient. Donc on l'a testé. Donc ça sent bon aussi, les filles. Donc c'est Tahiti. Ensuite, Yves Rocher. Donc là, Yves Rocher, j'ai mandarine, bois cèdre et j'ai pêche. Donc j'ai testé. Donc je ressens encore. La pêche, j'ai bien aimé l'odeur. Donc, ça sent le fruit. Ça sent le fruit en elle-même.
Ouais, et celui-là, bon, j'ai ni plus ni moins. Donc voilà, Yves Rocher. Ensuite, ça, voilà, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, ça fait la deuxième poubelle. Donc, top. Ensuite, ça, c'est une abonnée qui me l'avait donné, donc c'est terminé aussi, pareil. Ensuite, là, ça, c'est Bibi qui l'a testé, mais ça sent bon. Donc, c'est The Body Shop Coco. C'est son papy qui lui a offert ça pour Noël. Donc, voilà. Merci, papy Serge. Ça, on utilise tous ça chez nous. Donc, voilà. Est-ce que j'en ai une autre encore? Donc, j'ai déjà racheté un autre. Donc, le voici. Donc, des fois, on l'achète par deux, des fois par un seul. Mais en ce moment, on ne va pas l'utiliser puisqu'on a d'autres produits à vous montrer. Que ce soit Nanou, que ce soit moi. Ensuite, les filles et les garçons, vous savez que je ne peux pas me passer de ça. Donc voilà. Mon préféré, c'est celui-là. Là, c'est le shampoing douche. Le préféré, c'est celui-là. Donc voilà. Donc je rachèterai tout ça. C'est des bons produits. Donc ça, pareil. Ma vie en rose. Donc voilà, j'en avais acheté 3, 4. Ensuite, ça, je l'ai acheté chez Noz. Et c'est Madame Bibi qui l'a testé. Donc, je dois vous en parler. Mais bon, c'est Bibi qui l'en a testé. Donc, Bibi a aimé puisqu'elle a tout fini toute seule. Je l'ai utilisé qu'une fois. C'est une mousse à raser pour les femmes. Ensuite, ça, c'est mon bébé. Ritual, la balle. Je rachète tout le temps. Donc, voilà, les enfants. Ensuite, j'ai aussi mousse Ritual. Pareil, top. Donc, je rachète aussi. Ça, il n'est pas terminé, mais je vous le montre parce qu'après ce sera poubelle. C'est Mélanie qui utilise ça. Je peux vous dire, on en consomme. Hein. Et là, j'en aurai plus, donc je vais elle va utiliser autre chose. On va pas parier dessus. Donc, Estée Lauder, j'aime le produit, mais à chaque fois que je le mettais, ça rentrait dans mes yeux. Et au final, c'est Bibi qui a fini par l'utiliser. Donc voilà. Donc, un bon produit aussi, mais pour moi, personnellement, je ne le rachèterai pas pour moi, mais pour Bibi, oui. Ensuite, là, Fa. Pareil, top. Donc, j'ai adoré aussi. Je vais vous montrer ceci. Le reste, voilà, ceci. J'ai acheté ça chez Carrefour. Franchement, il sent bon. Celui-là, c'est au Monoeil. Oh my God. Le produit, il est bleu. Donc voilà, il est super bon. Donc je vous invite à aller tester ça chez Carrefour. Vous avez aussi le gommage gel douche exfoliant. J'ai du mal. Scrub. Donc c'est un gommage pour le corps aussi. Pareil, ça sent très bon. Et c'est à l'argan, je crois, celui-là aussi. C'est à l'argan, à MAM. Ensuite, la troisième, c'est celui-là. Je ne l'ai pas fini, mais j'ai voulu vous le montrer quand même. Donc pareil, c'est à l'orchidée. Et il est super bon. Enfin, super bon. Ça sent bon. Donc voilà, elle n'est pas terminée. Donc je vais finir avant. Et après, poubelle. Ensuite, toujours ici. Non, là, c'est pour salle de bain, c'est fini. En vous montrant le chat aussi, hein, le produit original qu'il y avait dedans, j'aime aussi. Ensuite, on va passer. Encore, j'ai pas fini. Ça. Donc j'ai acheté ça pour les soldes Sephora. Franchement, ça m'a servi dans le sens que j'ai utilisé ce produit pour partir en vacances puisque j'avais pas envie de porter du liquide sur moi. Donc, les lingettes, je les ai utilisées. Je suis pas censée utiliser toute sa lingette. Il y avait 25 lingettes dedans. Mais j'ai utilisé au concombre et j'avais à la rose aussi. La rose, je préfère la rose qu'au concombre puisque à la rose, ça me brûlait pas les yeux. Tandis que celui-là, si je passe trop fort sous mes yeux, ça rentre dans mes yeux. Et comme je ne suis pas douce, voilà, vous voyez ce que ça donne. Donc, je ne rachèterai pas au concombre. Les filles, elles ont aimé au concombre. Moi, non. Je vais acheter à la rose. Donc, l'emballage est rose. J'ai d'autres à tester aussi, mais je ne l'ai pas encore testé. Ensuite, j'ai acheté ça chez Stokomani. Ce sont des lingettes à l'eau, histoire de vous rafraîchir. Mais moi, je le passais en dessous de mon bras quand j'avais transpiré parce que j'ai cette petite phobie de sentir mauvais quand il fait chaud. Et ça aussi, chez Action, c'est pareil.
Celui-là, il est parfumé. Donc, c'est vraiment pour passer en dessous du bras. Et j'en ai acheté. C'est mon deuxième ou troisième paquet depuis l'été. Donc, voilà. Je l'ai emmené partout en vacances. Tu essuies les mains avec, partout. Et celui-là, on essuyait la table du restaurant avec. Parce que des fois, voilà quoi. T'es pressé, t'as envie d'avoir la table propre. Dès que la personne tourne sa tête. Donc, voilà, les enfants. Donc, celui-là n'est pas terminé, mais il reste un petit peu dedans. Donc, c'était Stokomani. Et ça, c'est Action. Ensuite. Côté nouilles, non, côté nouilles, on va passer, j'ai oublié ça. J'ai ce produit que j'ai acheté pour Bibi, pour les mains. Elle a pas utilisé tout de suite, mais c'est un bon produit. C'est réparation ou repair. Baume pour les mains, grand froid. Donc les Bibi l'avait utilisé et elle a fini il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Comme il était au fond du panier, je ne pouvais pas le monter avant. Ensuite, cuisine. Yop, parfum manque passion. Bon, moi j'aime tout ce qui est exotique. Et celui-là, il est bien. Dommage qu'on ne le fasse pas souvent petit, mais sinon, voilà. J'ai acheté ça chez Carrefour. Donc, je rachèterai. Ensuite, pour ma fille, avec ma mère, elle était là, on a acheté ceci. Donc voilà, pour les végétariens, puisqu'ils sont végétariens. Donc, steak haché végétal. Donc, pareil, je rachèterai. Ensuite, j'ai celui-là. Soja, somme, tomate, basilic. Donc, Mélanie et ma mère, ils ont tous les deux aimé du moins. Ça coûte moins que 2-3 euros. Donc, je crois que j'avais acheté chez Intermarché. Ensuite, ceci, je crois que c'est, je ne me rappelle plus, chez Noz, 1,19 € je l'avais acheté. Donc, il est pas blanc. Il n'est pas blanc, la galette. Il a une couleur un peu jaunâtre. Donc, super bon aussi. Si je trouve une photo, je vous mettrai une photo de quand je l'ai fait. Mais c'était bon. Ensuite, j'ai ce jus-là dans Fruit Veggie Juice. Donc, je vais ressentir l'odeur pour me rappeler. Parce que... Ouais. Donc, on va dire, moi, je ne rachèterai pas parce que voilà quoi. Moi, je. Voilà. Pour une accro de coca, je ne rachèterai pas. Mais si tu aimes les bons produits, c'est bon à boire pour ceux qui aiment les jus. Voilà quoi. Voilà quoi. Bon, t'as là. Je ne veux pas. Franchement, les filles, ça. C'est pas bon même. Je crois que c'est celui-là. J'ai une petite vidéo aussi. Si je le trouve, il faut que je vous le mette. Mais c'est pas bon du tout. Si je ne le mets pas dans cette vidéo-là, je le mettrai un autre jour parce que je sais que j'ai filmé. Si je ne me trompe pas, il y a des gros morceaux dedans et c'est gluant. Donc, j'ai acheté ceci. Donc, il est de l'autre côté chez Action à 1 euro pour l'été pour mettre une bouteille. Sauf que moi, je me suis entêtée à mettre deux bouteilles dedans, une pour moi, une pour Nano. Elle s'est déchirée à l'intérieur. Donc, voilà. C'était pas solide. Ensuite, salade. Bon, vous voyez pas tout l'emballage. Donc, là, c'est les salades prêtes à consommer. Donc, ça, c'est des salades de longue durée. C'est-à-dire, la laitue, quand tu l'achètes, tu l'ouvres. Dès qu'elle prend un peu d'air, elle jaunit. Celui-là, elle jaunit pas parce que c'est les salades rouges, toutes les salades mélangées. Dedans, il y a frisée, iceberg, chicorée rouge, escarole. Donc ça conserve plus longtemps. Donc ce qu'on fait avec Nanou, moi quand je fais les courses, je prends un paquet de salade normale et je prends ça après parce que je sais que l'autre va s'abîmer avant. Si je prends deux paquets de laitue, ça va s'abîmer très vite. Ensuite, j'ai découvert ça. Steak haché par vin. Familiale, elle coûte 11 euros et quelques pour 20 steaks hachés. Charal. Donc voilà. Il n'est pas rangé avec les autres. Il est rangé dans les bacs chez Carrefour. Et puis voilà quoi. Les steaks sont pas super épais. Hein? Parce que des fois, il y a des steaks qui sont assez épais comme ça. Lui, il est un peu comme ça. Voilà. Pour quelqu'un comme moi qui. J'aime bien la viande. Hein? Mais j'ai pas envie de manger forcément 2 tonnes de viande. Voilà quoi. Même si j'adore la viande. Donc un petit steak haché comme ça, un œuf dessus. Hasta la vista, c'est super. Donc, je rachèterai puisque c'est 11 euros les 20 steaks hachés. Congelés, je précise. Donc, voilà les enfants. Donc, je voulais montrer ça au milieu de la vidéo, mais j'ai oublié. Donc, on a ceci. Enfin, on a ceci. J'ai ceci. Calendrier de l'Avent, les enfants. Calendrier de l'Avent. Donc, dedans, il y a. C'est le calendrier de l'Avent spécial. Vacances, c'est-à-dire. J'ai récupéré les gels douche, les savons, les éponges, du thé. Je rajoute du sucre, du café, du lait, du chocolat. Donc, j'ai réussi à.
Je prenais ça dans les hôtels quand j'allais à l'hôtel. Et j'ai rajouté quelques microbes dedans. Donc voilà, quelques micro de micro trucs. Donc je vous montre pas le colis, mais je vous montrerai après ce qu'il y a dedans. Donc vous voyez. Donc pour ceux qui ont envie de participer à son concours, je vous invite à. Je ferai une vidéo juste pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Je vous invite à participer à ce concours. Donc premier concours, calendrier de l'Avent. 2 semaines, jour pour jour, 2 semaines. Je vais mettre mon adresse email en barre d'infos. Si elle n'est pas en dessous de cette vidéo-là, vous la verrez dans des vidéos lointaines, mais normalement, c'est dans la barre d'infos. Je mettrai tout ce qu'il faut concernant le concours. Tu dois être majeur. Et encore. Autorisation parentale si tu n'es pas majeur. Tu n'oubliez pas de mettre ça. Ça vous disqualifie si vous ne répondez pas bien à ce que je dis. Ton nom, ton adresse. Si tu n'as pas d'adresse, je ne vais pas redemander l'adresse. Ton nom, ton adresse, ton pseudo YouTube. Tu mets un objet, concours, calendrier de l'Avent, hôtel. Donc ça s'appelle calendrier de l'Avent, hôtel. Ensuite, qu'est-ce que tu mets encore? Voilà. C'est tout, les enfants. Pour ce premier concours, il y aura d'autres calendriers de l'Avent, mais je clôture celle-là. 2 semaines, peut-être je mettrai une d'ici là. Hein. Le lot sera distribué en septembre, octobre ou novembre. Dès que vous avez gagné et que je l'annonce en vidéo, je verrai si je peux vous l'envoyer tout de suite. Bon, je crois que je vais l'envoyer avec la boîte parce que vu qu'elle est pratiquement remplie. Donc voilà, et je vous montrerai vraiment ce qu'il y a dedans. Si tu es un amateur de thé, t'aimes le thé, ben c'est pour toi. D'accord? Thé, gel douche, voilà, shampoing, tout ce qu'il y a dans les hôtels. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc c'est tout pour la vidéo, les enfants. Donc si tu aimes la vidéo, tu likes. Si tu n'aimes pas, tu dislikes. Voilà, disliker, c'est dans l'autre sens. Et puis, je vous invite à me dire ce que vous aimez le plus dans les hôtels quand vous allez dans les hôtels. Donc vous mettez ça en commentaire. Qu'est-ce qui vous plaît le plus quand vous allez à l'hôtel? Allez. Bon, je vous dis à la prochaine. Bye. T'as dit au revoir? Bye. Continue à emmerder, moi. Gros bisous, les enfants.